Vas-y. Et ben moi, j'attends le Brillante Mendoza, Brillante le bien nommé, réalisateur philippin qui vient à Cannes depuis plusieurs années, en sélection, à un certain regard, parce que ce garçon ne m'a jamais déçu. De John John, qui a été le premier film que j'ai vu de lui et qui a été un choc et un relatif éblouissement jusqu'à Taclube l'année dernière, tout ce que fait Brillante Mendoza m'intéresse, me touche. Je trouve qu'il a, il a une façon de parler de l'humain, de travailler l'humain à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif, en parlant de solidarité d'une façon unique qu'on reconnaît très vite. Il a une forme de, parfois de documentariste, mais il crée de vraies fictions qui sont à la fois très ancrées dans un territoire, dans son pays, dans le sien, qui parlent des problèmes, et Dieu sait qu'il y en a, de son pays, des problèmes de corruption, et qui en même temps touchent à l'universel, touchent à la fraternité. C'est quelque chose qui, moi, me bouleverse. Voilà.